tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est sur un petit tuto je vais vous montrer en fait l'écurie que j'ai créée. Voilà. Enfin, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a. Alors, nous commençons. Ici, nous avons une porte devant avec des barbelés et une porte derrière. Voilà. Alors, pour faire ça, vous aurez besoin d'un carton, évidemment. Et des trombones, et un élastique, et une punaise. Voilà. Et des cure-dents. Alors, la porte s'ouvre comme ça. Ça ferme comme ça. Alors, c'est aussi pratique parce que, comme vous pouvez voir, le cure-dent bloque un peu l'endroit. Sauf celle de nuages. Celle de nuages, en fait, elle est cassée. Hein, comme ça. Voilà. Ici, nous avons un box sans ça. Alors, vous prenez et on retire comme ça. Voilà, ça s'enlève comme ça, avec des... Ça, là, ils ont... certains ont une fenêtre comme ça, avec... On peut prendre vers les granulés. Ça, il n'y a pas. Voilà, mais il y a la fenêtre. Voilà, et le système est la même chose. Là, c'est... soit un truc pour attacher les chevaux. Voilà, c'est pour faire comme ça. Au cas où si... Enfin, je ne sais pas trop à quoi ça sert, en fait. Mais ça s'est enlevé. Mais normalement, ça devait normalement boucher le passage. Là, ça fait la porte pour que les gens y passent. Alors, en fait, quand il y a quelqu'un, ça se ferme comme ça, pas que les chevaux y viennent. Aussi, il y a ça. J'ai dit que c'était des trucs pour les palefreniers. Mais c'est aussi pour cacher un peu les punaises qui sortent. Voilà. Et en fait, dehors, ça s'ouvre. Désolé, je botte un peu. Comme ça. Voilà. Et ça se met. Comme ça. Voilà. Et en fait, à l'intérieur, en béton, et vous avez qu'à juste attirer dessus et à enlever l'élastique et la porte ouvrira. Alors, nous avons les poignées et voilà. La porte et l'élastique est tombé. Et après, une fois que le cavalier est sorti, ben, vous avez qu'à remettre l'élastique sur la porte. Voilà. Attendez. Je vais essayer d'aller. Ah ouais, d'accord. Désolée, mais en fait, il y a une punaise qui s'est... qui s'est enlevée. Attends, tout le monde fait des vidéos. Si besoin de punaise, je prends même couleur. Alors, je suis désolée, hein, mais il y a une punaise qui s'est enlevée. Alors, je vais vite en mettre une. Et quand je retrouverai l'autre, ben voilà. Retrouver. Alors, vous mettez l'élastique, ça m'énerve ces rideaux. Comme ça, alors à la bonne hauteur, là, je ne suis pas trop à la bonne hauteur, vous pouvez voir. Et je vais prendre la boîte à punaise. Ben, maintenant je vais vous expliquer un peu comment ça se construit. Désolé. Ah ben, j'ai retrouvé. Je la remettrai après parce qu'elle est un peu vieille. Bon, je vous montre la vidéo. Alors, il faut un carton. Vous commencez à couper, à prendre du carton comme ça. Là, j'ai pas tout déchiré. Et vous allez couper à l'intérieur. Vous faites un trou et vous découpez à l'intérieur. Et après, vous mettez les cure-dents qui fera des barreaux. Voilà. Une fois que vous avez mis ça, vous collez ça. Et après, vous faites rien. Hein. Vous collez juste. Et vous faites la même chose dans les boxes comme ça. Alors, mon écurie tient 4 boxes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire la porte dehors. Voilà. Après avoir fait la porte dehors, vous n'êtes pas obligé de suivre l'étape. Vous pouvez faire la fenêtre qui est là, avec une vue évidemment, un espace, comme dehors, un espace. Là, il faut un espace, alors les cure-dents bougent un peu, vous n'avez qu'à juste bouger un peu les cure-dents. Voilà, et là, bah, soit vous faites un espace, mais c'est pas très... comment dire, c'est pas très bien. Et dans le dernier box, soit vous faites la même chose que dans tous les autres box.
Parce qu'en fait, j'ai pas pu. Ah, tiens. J'ai pas pu faire une ouverture à l'intérieur pour nuage, alors il sort par l'extérieur. Voilà, si vous voulez, 4 box comme ça, avec l'entrée et la sortie d'or. Ben, je vous conseille de faire comme ça, en tout cas. Alors, c'est pas grave si Aphrodite, ben, elle a des chaînes comme ça, désolé. Ça tombe tout le temps. Voilà. Et nuage, ben, il peut pas sortir. Et bon. Après, pour les mangeoires, comme j'ai fait, ben, vous prenez des bouts de carton d'œuf. Et ça fera les mangeoires. Alors, il y en a une là, là et une là. Voilà. Alors, pour ce qui est monté dans les mangeoires, mettez plutôt du thé. Si elle avait tout le temps tombé. Voilà. Après, vous remplissez de foin une fois que tout est fini. Et voilà. C'était juste un petit tuto. Parce que, comme j'avais dit dans une de mes vidéos, que je faisais un petit tuto là-dessus. Diablesse. Désolé. Hein. Voilà. Et en plus, il y a assez d'espace pour faire une écurie poulinière. Hein. Si vous faites des espaces comme ça, regardez. Hein. Bon, après, il faudra couper le foin. Il faut couper le foin parce que après, ça ne s'empare pas tout. Mais vous pouvez voir. Il y a même assez d'espace. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Et maintenant, une nouvelle vidéo.